Je m'appelle Denise Maine Fontara, je suis élève en termination sociale à l'école Saint-Jean et j'ai été première dans la République en sciences sociales. Au baccalauréat 2022. Première en sciences sociales. Mademoiselle, dites-nous aujourd'hui comment vous sentez-vous. Je me sens très fière de ce que j'ai accompli et très heureuse. La voix. Je me sens très fière et très heureuse de ce que j'ai accompli. Aujourd'hui, vous êtes première. Dites-nous, c'est quoi votre secret pour être classée parmi les premières de la République. Le secret, ce n'est rien d'autre que le travail et le courage. Aussi ma perspicacité, mon courage, ma persévérance et aussi la persévérance de mes encadreurs et la ténacité de mes professeurs. Alors techniquement, dites-nous qu'est-ce qui a prévalu ce comment vous avez passé le 9 mois de scolarité? Vraiment, c'était difficile. On a beaucoup travaillé pour relever les niveaux. Votre quotidien, comment est-ce que le cours se déroule? Votre emploi de temps. Votre emploi de temps. Emploi du temps personnel, oui. De 8h à 17h, du lundi au vendredi. Tout le temps à la révision et à la maison aussi. Du samedi au dimanche, tout à la révision. D'accord. Vraiment, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup réussi. C'est vraiment du travail. L'apport des parents et des encadreurs oui, dans ce... Mes parents, ils ont vraiment mis en place un cadre dans lequel j'ai pu réviser. Ils m'ont encouragé, ils m'ont soutenu durant tout le processus. Déjà, vous avez une idée. Qu'est-ce que vous rêvez d'avenir dans la vie? C'est 9%. Pardon? Le taux de réussite cette année, c'est 9%. Comment est-ce que vous voyez ça? Bon, c'est très regrettable, mais vraiment, je tiens à souligner, à parler aux gens qui sont en échec, de prendre courage, de redoubler d'efforts pour l'année prochaine et de faire en sorte que leurs efforts puissent payer comme les miens. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous rêvez de devenir dans la vie après avoir obtenu votre licence ou votre master? Vous voulez faire quoi d'abord à l'université? À l'université d'abord, je veux travailler, je veux faire économie. Donc, après l'université, je veux soit être économiste, directrice de l'université. Vous avez fait des sciences sociales? Oui, j'ai fait des sciences sociales, mais je suis bien en mathématiques. Et ce n'est pas forcément un compliqué, parce que je ne peux pas faire l'économie à l'université. Le pourcentage d'échecs est vraiment regrettable cette année. Donc pour les gens qui ont été en échec cette année, je leur dirais de vraiment se concentrer, de redoubler d'efforts et de travailler pour l'année suivante afin que leurs efforts puissent payer comme les miens cette année. Mon dernier mot est que vraiment je tiens à préciser que je suis une fille et que j'ai été première dans la République et que je suis très fière de mon statut de femme et de fille et être à la première place parmi tous les personnes. Oui, je remercie mes encadreurs, ma famille, toutes les personnes qui m'ont soutenu de près et de loin, et surtout mes professeurs, parce qu'ils ont été très tenaces et efficaces. C'est quoi votre sentiment pour finir aujourd'hui de vous voir première? Un sentiment de joie et d'euphorie. De joie et de l'euphorie. Vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans.